Mais vous savez, ça fait des années que nous attendons que Blé Goudé ait la possibilité de rentrer chez lui, de rejoindre sa famille, sa terre natale. Et c'est ce qui va se passer aujourd'hui. Et donc, vraiment, c'est une grande joie, hein. Une grande joie parce que, bon, un fils qui a été éloigné du territoire national et qui rejoint la famille, c'est toujours quelque chose de très bénéfique pour la nation tout entière. Mais il est important que toutes les parties prenantes au conflit depuis 2002, hein, qui s'est aggravé en 2010-2011, il est important que toutes les parties prenantes se retrouvent sur la terre nationale, rejoignent la terre natale, et qu'ensemble on puisse organiser, créer la réconciliation de tous les peuples qui constituent la Côte d'Ivoire. Et si lui vient aujourd'hui, c'est un grand pas, hein, dans le sens de cette réconciliation, de cette action-là. Et mon souhait, c'est qu'en arrivant, il laisse derrière lui tout ce qui peut être amertume, tout ce qui a pu être colère, tout ce qui a pu être frustration, qu'il laisse tout cela de côté. Parce que la seule chose importante là, c'est que la nation se retrouve, qu'elle se réconcilie. C'est un impératif. Donc voilà, c'est un petit peu ça que je ressens ici. Et je vais le lui dire de toute façon, hein, parce que c'est mon souhait. Et pour moi, c'est une condition sine qua non. Mais je voudrais que les Ivoiriens que aujourd'hui, il y a un pas de plus qui est posé dans le sens des retrouvailles et de la réconciliation de tous les enfants du pays. C'est un pas important. C'est un pas à ne pas négliger. Et je souhaiterais que tout le monde se mette en joie. C'est parce que c'est un jour de fête que tout le monde se mette en joie, que tout le monde participe à cette fête. Ce n'est pas un problème de parti politique, c'est un problème du peuple, de la nation ivoirienne, qui a là une opportunité nouvelle de se réconcilier, de recréer, de vivre ensemble. Merci, madame. Merci beaucoup.